Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réagir et noter le setup de mes abonnés. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre le petit code Sunka avec 2A dans la boutique de jeu pour me soutenir. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. Je vais commencer par réagir au setup de Ilyes. Alors Ilyes, il est Switch déjà. Je vois qu'il a aussi le petit casque Switch. Il a aussi une petite manette ici. Je vois qu'en vrai il est dans le salon, donc il a pas forcément ce setup dans sa chambre. Je vois qu'il y a une deuxième manette ici que j'avais pas vue. En fait le setup est très bien, mais comme il est sur Switch, il est assez limité. En vrai je lui donne un petit 5 sur 10 parce qu'il est dans le salon, il sert un peu le bordel. Maintenant on passe à Prime Realistique. Alors lui déjà il est PC, il a son setup dans sa chambre. En vrai il a un bon clavier, je vois que sa souris est là. Bon, c'est pas des souris de marque, il a une petite manette play ici. Son écran j'aime bien, aussi le fait que ce soit sur un coin. De plus il a un petit décor. Là il a des petites figurines pop, il a des figurines aussi de Demon Slayer. C'est un setup qui a énormément de potentiel grâce à ce bureau vraiment que j'aime beaucoup. Sinon ce qui pourrait changer ça serait le tapis de souris, être un tapis de souris vraiment très long. Il prendrait tout l'espace sur le bureau. Mais le PC ça m'a l'air d'être un monstre hein. En vrai je lui donne un 7,5 sur 10. Maintenant, on est sur celui de Luxi. Voilà, luminosité. Alors, il collectionne ses bouteilles de... Monster, ok. Je vois qu'il y a des figurines pop qui sont encore scellées. Ça, c'est très bien les garder en boîte parce que ça préserve la valeur. J'ai l'impression qu'il est sur PC. Un petit PC portable ici et une tour en dessous. Il a aussi sa petite Switch avec la manette ici. Évidemment, le clavier, la souris. Le décor aussi est bien avec les petits posters One Piece. Les LED aussi, j'aime bien. Sinon, ce que tu pourrais faire, c'est de faire un petit cap management parce qu'il y a beaucoup de caps qui traînent. Et la chaise gaming, elle est aussi bien. Il a des petites LED aussi dessus. Bon, c'est un... je trouve pas ça très beau, mais sinon, la chaise en full black là, j'aime beaucoup. Là, je donnerais plutôt un 7 sur 10 parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pas rangé et que c'est vraiment dans le désordre. Mais sinon, le setup dans l'ensemble est vraiment bien. Maintenant, on passe à SQA. Alors, lui, déjà, il est sur Xbox. Je vois qu'il a aussi une Switch ici. Il a un gros haut-parleur Sony, si je me trompe pas. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les volants dans les setups. C'est assez rare et c'est quelque chose que vraiment j'aimerais beaucoup avoir, mais que malheureusement je n'ai pas encore. Il y a un des petits rangements en dessous. Par contre vraiment c'est le bordel dans son setup, il y a des trucs de partout. Il y a un seau ici avec des trucs à l'intérieur, on sait pas ce que c'est. En vrai le décor il est assez lugubre. En vrai c'est pas très grave. L'écran je crois que c'est une télé. Et pour la note je lui donne un 6,5 sur 10. Maintenant on passe à Devil Force. Alors il a son setup en full LED rouge. Alors la qualité est pas ouf, mais je vois qu'il y a un PC ici. Il y a quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans l'épisode précédent, c'était ses tapis de souris avec les LED autour. Et il en a un, donc ça ajoute un petit truc à son setup. Ah là on voit mieux. Ouais en vrai le clavier j'aime pas beaucoup. La souris ça passe. Le code créateur y a rien, mais mettez le code Sunka. Malheureusement je peux pas trop voir le décor parce que c'est vraiment très sombre. En vrai je lui donne un petit 7,5 sur 10. Il aurait pu avoir la note de 8 s'il y avait des meilleures photos. Maintenant on passe à SKA. Du coup j'ai juste recadré la photo. Je vois qu'il a un très très beau setup bien épuré. On voit l'intégralité. Vraiment le PC il est magnifique. On voit l'intérieur, il y a une RTX. Ça c'est magnifique aussi. En vrai le tapis de souris il casse un peu tout. Je devrais peut-être le changer et prendre un tapis de souris full noir. Très long qui prendrait tout l'espace sur la table. Les claviers mini comme ça, c'est très stylé. Il a aussi, si je me trompe pas, un répéteur Wi-Fi. Sinon, niveau décor, le setup est vide. Et quand même, petite note pour l'écran, ça doit s'en mettre à 144 Hz. S'il prend un bureau noir et un tapis de souris noir, là, ça serait parfait. Mais sinon, je donne un petit 8 sur 10. Parce que le setup est vraiment épuré. Et aussi grâce au PC qui est très bien présenté. Maintenant, on passe au setup de Nostag. Ah non, c'est vraiment la rue. Hein. Du coup, il est sur Switch. Il y a un petit casque ici. Par contre, c'est vraiment le bordel. Nostag, range-moi ça par pitié. Il y a une télé à côté. Il y a les Champs-Élysées. Il y a une figurine pop. Elle est où la figurine pop? Ok, il y a des stylos. Et il y a tous les cahiers de cours, j'imagine. Après, là derrière, c'est vraiment le bordel. Je vois qu'il a deux manettes. Il y a une manette Switch. Ici, une manette Xbox, si je me trompe pas. Sinon, j'aime beaucoup le tapis de souris full noir comme ça. La souris, ça m'a pas l'air d'être une dinguerie. Le clavier non plus, je crois que c'est un clavier du CDI. En vrai, dommage parce qu'il a du potentiel. Tu devrais juste ranger ton setup et ça montrait la note de 2 points facilement. Sinon, pour la note, je lui mets un 5, voire même un 4 parce que c'est pas rangé en fait. Sinon, le setup est bien. Et c'est des conditions qui rendent compliqué l'utilisation du setup. On passe donc au dernier setup. Waouh, on a un très très beau setup là. Il y a une télé ici, il y a l'écran ici, un très beau micro. Non en vrai son setup est excellent, son PC il est ici, le bureau il est vraiment bien. En fait tout est épuré, c'est simple à comprendre. Le clavier est magnifique, les mini claviers comme ça j'aime beaucoup. La souris je crois c'est la souris légère là, donc ça aussi c'est très bien. L'écran il a des magnifiques couleurs. Le casque, en vrai, tu pourrais le changer. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire, le setup est complet. Ce que tu pourrais rajouter, ce serait des petits décors ici, des petits posters, des petites figurines. Après, il faut mettre le prix pour ce setup-là, tout le monde n'a pas les moyens. Et sinon, pour ta note, je te mets un bon 9 sur 10. Profite d'être de ton setup, il est vraiment incroyable. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui se trouve en description pour participer aux futures vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine.